Bonsoir et bienvenue pour ce cinquième épisode de la loi émeraude de Varkit. Nous avons laissé nos personnages dans Saldra, on peut le dire, suite au jeu trouble qu'ils ont essayé de jouer avec la guilde des philosophes, une des plus puissantes de Varkit, puisque c'est une des guildes qui est membre du Sénat émeraude. Et donc, comme d'habitude, nous avons avec nous ce soir nos quatre joueurs, puisque Guillaume n'a pas d'extinction de voix ce soir. Et non. Et donc, nous allons commencer ce soir avec Idril. Oui, Idril, c'est le pioniste et également le chef de la guilde. Et là, il vient d'être capturé par la guilde des philosophes et il est retenu en otage. En attendant qu'on leur ramène ce fameux anneau qu'on a détruit. Voilà, donc Idril qui est incarné par Katia. Ensuite, Sheila qui est incarnée par Gaël. Ouais, Sheila, la débrouillarde, qui revient à la guilde après avoir été en reconnaissance à pas loin de la statue émeraude et qui est tout excitée à l'idée d'avoir peut-être découvert un accès vers un trésor fabuleux qui serait enfoui sous la cité depuis des générations. Oui, via les tubes de lave que tu viens de découvrir, en effet. Voilà. Ensuite, Sajabi. Bonsoir. Sajabi, c'est un petit oiseau sorcier qui est en compagnie d'Idril face aux philosophes. Et c'est peut-être à cause de lui que Idril est lévite dans les airs en otage. Oui, Sajabi d'ailleurs qui avait été renvoyé, si je me souviens bien, par les trois maîtres pour aller chercher le fameux anneau à la guilde des archéomanciens. Et enfin, Guillaume qui joue toujours Otto. Donc Otto Gamble Petit Bono, je fais un Grubble Meilleur Mid von Hulm, qui est un 6-6 inventeur. Qui ne sait pas trop ce qui s'est passé la dernière fois parce que son dernier souvenir, c'est d'être passé à travers un plancher et d'être tombé de plusieurs étages dans une sorte de cave. Et là, ici, j'ai bien compris, il rouvre les yeux dans son laboratoire avec un peu mal à la tête. Exactement. Mais avant de revenir au cœur de l'action, nous allons jouer les actions des guildes. Donc, dans Varkit, le jeu tourne autour de différentes guildes. On en a déjà rencontré quelques-unes. Et maintenant, il est temps que chacune de ces guildes place une action. Donc, ce sont des actions qui sont sur une autre temporalité que celle du jeu et qui montrent un petit peu les choses que les guildes mettent en place dans ce jeu d'influence qu'elles jouent au sein de Varkit et dans leur quête d'expansion. Alors, donc nous allons commencer avec la guilde des philosophes qui lance contre la guilde des archéomanciens une vaste action pour s'emparer de leur territoire par la force. À l'heure actuelle, votre territoire, c'est en fait votre quartier général. Et Sajabi, même si tu ne vas pas pouvoir intervenir de suite, tu vois que quand tu veux arriver au niveau de votre QG, tu vois que la rue est pleine de mercenaires qui portent tous un tabard marqué du symbole de la guilde des philosophes, que tu as déjà vu sur les stampilles que Maître Ishtar vous avait passé. Et donc, je vais demander à l'un d'entre vous, on va demander en fait à Katia, puisqu'elle incarne Idril, le chef de la guilde, je vais te demander donc de résister à cette action que lance la guilde des philosophes sur votre guilde. Et donc, tu vas lancer plus territoire, donc c'est-à-dire 2d6 plus 0, s'il te plaît. 7-9. Et donc, la guilde des philosophes va recevoir un bénéfice mineur de leurs efforts contre vous en fonction de l'action qu'ils ont faite. Ok. Sajabi, quand tu arrives devant votre guilde et que tu te retrouves avec le passage barré par ces mercenaires, et ils sont vraiment nombreux. Il n'y a pas 10 pauvres mercenaires, ils sont vraiment nombreux. Ils sont 20, 30, peut-être plus. Et il faut imaginer qu'ils ont probablement d'ailleurs
comment dire, quadriller tout le quartier. Et donc, l'un des mercenaires, en fait, explique que la guilde des philosophes n'est pas contente du tout de la manière dont se passent les transactions qu'elle a essayé de mener avec vous, et qu'il y a eu manifestement une rupture de confiance, et que on n'essaye pas de tromper la guilde des philosophes sans devoir en payer le coût. Et il te réclame une somme d'argent rondelette qui, si vous acceptez de payer, vous coûtera les deux monnaies que vous avez en réserve dans votre guilde. Donc, vous allez vraiment vous retrouver sur la paille jusqu'à ce que vous puissiez de nouveau faire des affaires. Sans quoi, eh bien, ils prendront possession de vos bâtiments. Tu n'as pas vraiment beaucoup le choix, mais tu as une décision à prendre. Est-ce que tu payes les deux monnaies et que tu demandes à votre secrétaire de vider votre coffre pour leur donner leur dû, ou est-ce que je peux tenter de faire une obligation, c'est-à-dire que je note la dette? Non, je t'expliquais, on est dans une autre temporalité, c'est ça ne peut pas marcher, parce que si tu arrives à en convaincre un, il y en a 30 derrière, quoi, tu vois. Mais c'est Idril, la chef de guide, je ne peux pas prendre cette responsabilité. Mais Ah bah écoute, parfois il faut savoir prendre ses responsabilités quand elles s'imposent à toi. Hein. Donc, Sajabi, je répète ma question. Eh bah la guilde est à nouveau ruinée. Eh bien voilà, la guilde est à nouveau ruinée, mais au moins vous gardez vos bâtiments. C'est pas un mauvais choix. Alors, parfait. Alors, une autre... Alors, attends, pam, pam, pam. Donc, je vais enlever les deux monnaies. Hop, zéro, voilà, hop. Votre pochet, hein, le criquiterie qui est votre secrétaire, ça lui fend le cœur et l'âme de devoir céder cet argent. Les façonneurs des arts exceptionnels, ok. Alors, oui, tout à fait. Donc, les gardiens de la loi, eux, vont utiliser leur réseau d'informateurs qu'ils ont dans le vieux quartier, dans le vieux Varkit, de manière à essayer de déterminer les forces et les faiblesses de votre guilde. Et donc, Idril, je vais te demander une nouvelle fois de lancer 2d6 plus territoire, c'est-à-dire 2d6 plus 0. Encore 7. Bien, étant donné qu'ils ont eu plutôt une bonne impression suite à l'histoire de l'anneau, laquelle de vos faiblesses est prête à ce que... laquelle de vos faiblesses êtes-vous prêt à laisser dévoiler quelque part? Avez-vous fait filtrer comme information de manière à ce qu'il puisse se repaître de ça sans que ce ne soit trop dérangeant pour vous, sachant que ça va quand même leur donner un avantage lors de leur prochaine action? Qu'est-ce que c'est vraiment nos faiblesses? Je vois qu'on a puissance moins 1, ça veut dire qu'en gros, on n'est pas très nombreux, on n'est pas très armés. C'est cette... cette action, vous auriez pu poser des questions qui sont, un certain nombre, 2 ou 3, et qui sont, en quoi sont-ils vulnérables? Comment pourrions-nous renforcer notre position contre eux? Quelle est leur plus grande force? De valeur dispose-t-il, et comment pourrions-nous les forcer à faire ceci ou cela? Est-ce qu'on a,
est-ce qu'on peut dire simplement qu'on est complètement fauché? Et que du coup, ils peuvent nous acheter? Ok, ça me va. Donc, ils apprennent que vous êtes tellement fauché que vous êtes prêt à faire un peu tout et n'importe quoi et à des tarifs modiques. D'accord, ok. C'est pas déconnant, surtout que ça fait partie des guildes qui ont des liens avec la guilde des philosophes, même si ces liens ne sont pas nécessairement toujours ultra positifs. Voilà. Ok. Bon, ben, nos autres guildes vont faire un petit peu leurs actions aussi. Mais ça, évidemment, ça reste un petit peu dans le décor derrière, sans que vous n'en soyez au courant. Et donc, à la fin de la troisième partie de la loi émeraude de Varkit, nous avions laissé notre ami Otto dans le coma, au fond d'un... comment dire, une cave ou un truc. Oui, tout à fait. Et bon, bah, cette chute n'avait pas été due au simple hasard, comme on aurait pu le croire. En fait, Otto, quand tu as dû forger le fac-similé de l'anneau elfique, eh bien donc forcément, tu as été mis en contact avec les textes en runes elfiques que Sajabi avait recopié de l'anneau, et tu as même dû toi-même les graver sur l'anneau de manière à lui donner la plus grande semblance possible de vérité. Eh bien, en tant que Sissix, tu te rends compte que ben, tu as toujours une affinité particulière avec toutes les formes d'écriture, et cette écriture, en fait, a une espèce de vie qui lui est propre. Et quand tu étais dans ce petit palazzo à côté de celui où Sajabi et Sheila récupéraient l'anneau véritable et le substituaient par le facsimilé que tu avais forgé avec tes apprentis, tu as commencé à avoir des visions. Ta vision a commencé à se troubler. Tu as commencé à entendre ce qui se passait autour de toi comme si tu étais un peu dans du coton, et c'est comme ça qu'à un moment donné, ben, tu as fait un faux mouvement et tu as posé probablement le pied un peu trop lourdement sur une planche pourrie, et au lieu de pouvoir avoir les réflexes qui t'auraient permis de t'en sortir ou d'activer un gadget quelconque de ta magnifique armure, eh bien non, tu as complètement perdu tes moyens et tu t'es laissé tomber, tu es arrivé sur le dos. À ce moment-là, tu as vécu une expérience des plus étranges, puisque ton esprit a littéralement quitté ton corps. C'est-à-dire que le plus grave, c'est que mon esprit a quitté mes équipements technologiques. Ah bah écoute, là, tout dépend du degré de matérialisme de ce bravo. Et donc, à partir de ce moment-là, ton esprit a commencé à errer au-dessus de la ville. Tu as vu d'ailleurs des tas de choses qui se préparaient. Tu as vu, comment est-ce qu'il s'appelle celui-là déjà ? Tu as vu Aidan le recycleur faire un conclure un marché avec Solarine, la chef des façonneurs des arts exceptionnels. Mmh. Tu as vu également. Tu as vu que les juristes pesteux préparaient une motion à présenter au Sénat contre Efrict, Efrict et Silver, et que ceux-ci préparaient leur défense, et tu as vu une espèce de... Même si tu n'en as pas entendu ou pas compris les tenants et les aboutissants, mais tu as vu ces deux cabinets d'avocats, de juristes, de plaider les uns contre les autres devant le Sénat Emerald. Et tu as vu aussi que les façonneurs des arts exceptionnels avaient envoyé les acrobates de l'ombre un peu partout dans la cité. Et tu perçois comme dans un rêve un espèce de flux doré de mots
de phrases et de concepts qui partent de ces différents acrobates de l'ombre, de ces espions répartis dans toute la ville et qui retournent vers leur commanditaire au sein de la guilde des façonneurs des arts exceptionnels. Alors que tu aurais pu te repaître de ce genre de spectacle, tu as senti que ton corps était comme aspiré par la nuit et même plus précisément par la lune. Et là, j'aurais besoin un petit peu de Sajabi pour qu'il nous décrive à quoi ressemble le royaume de Dokalfar, ton patron, et à quoi d'ailleurs il ressemble Dokalfar, ton patron. Alors, Dokalfar, c'est une créature immense pour des tailles humanoïdes à peu près normales. C'est une grande forme élancée de 3 mètres. Des bras extrêmement longs qui descendent jusqu'au bas de ses genoux, de ce corps immense. Un corps assez... les bras sont très très fins et il a pourtant un espèce d'énorme buste, mais qui ne paraît pas musclé. Des longs cheveux blancs qui lui descendent jusqu'au bas du dos, qui lui recouvrent une partie de son corps. Et tout est entouré d'une belle parure de fourrure d'ours. Et il a deux grands yeux bleus canard. Et on peut voir que quand il respire, il y a du froid qui en sort. Et la lune sur laquelle il vit, c'est une espèce de grand corps de glace. Alimenté par des espèces de vents où il y a des pics de glace qui volent à l'intérieur dans une tempête perpétuelle. Ok. Très bien. Bah, écoute, Otto, ton esprit navigue dans tout cela jusqu'à ce que tu te retrouves au pied de Dokalfar. Et là, tu l'entends qui te parle dans un langage qui t'est inconnu, mais que tu comprends. Et donc, il te... mais il commence par te comment dire, t'accueillir. Bienvenue à vous, Otto. Et tu vois qu'il arrive à sortir tout ton nom de famille sans se tromper. Ah bah du coup, je m'incline. Voilà. Parce que j'ai un grand respect pour les gens qui disent le nom des gens jusqu'au bout. Voilà. C'est assez intéressant que vous soyez venu jusqu'ici. Je savais que les Sissix avaient un lien assez intéressant avec les formes d'écriture, mais je n'aurais jamais dit que la magie runique de mon royaume aurait pu comme ça infuser en vous. Probablement était-ce parce que la magie de l'anneau est très puissante et c'est une magie peut-être avec laquelle vous êtes en phase. Enfin, je n'ai pas encore d'explication, mais c'est une bonne chose que vous soyez là. J'ai 3 messages pour vous. Le premier, vous remercierez Sajabi de m'avoir débarrassé du danger que représentait cet anneau. Bien. Le deuxième message que j'ai pour vous, c'est je veux que vous empêchiez les façonneurs de créer un fac-similé de la Fontaine des Songes. Ce serait extrêmement désagréable pour mon royaume qu'il puisse ainsi faire appel à au pouvoir du royaume des fées. Et le troisième message que j'ai, c'est pour la petite Sheila. Dites-lui qu'il faut qu'elle protège la Fontaine des Songes.
il y a de plus en plus de personnes dans l'AMA qui sont persuadées qu'elle est négative et qu'elle induit de mauvais rêves parmi les gens de l'AMA. Et c'est malheureusement une mécompréhension de ce à quoi elle sert. Et à quoi elle sert, du coup ? La protéger contre la guilde des philosophes, car il ne vaut certainement pas baisser les bras. Cela fait maintenant plusieurs années qu'il tente par tous les moyens de récupérer le pouvoir de la lune, le pouvoir des songes, le pouvoir des fées. Et il faut les en empêcher, sans quoi ils vont pouvoir influencer les croyances mêmes des gens de Varkit et usurper les droits que leur ont donné la Dame Verte et la loi Émeraude. Je crois que je comprends. C'est pas une mince affaire, tout ça, dites-moi. Comment se fait-il que c'est à moi que vous vous adressez pour une telle chose ? Je m'adresse à vous parce que vous êtes devant moi. Ah, très bien. Je vais dire, je comptais sur Sajabi pour faire cela au fur et à mesure, mais puisque nous pouvons avoir un contact direct, c'est autant. Et puis je pense que Sajabi va avoir besoin de quelqu'un de plus sage que lui. Pour l'épauler dans ses missions. Bon, il ne manquera pas de trouver de l'aide, alors. Une dernière chose. Ne vous attaquez pas directement à des guildes qui sont capables de vous écraser tels des moucherons. Oui. Et cette fontaine, pour la protéger de l'influence, vous avez une idée de comment faire ou déplacer son pouvoir ou... Malheureusement, si on pouvait déplacer son pouvoir, ce serait déjà fait depuis longtemps. Demandez à vos assistants ce qui se passe quand on essaye de détruire un objet empli du pouvoir des fées et des songes. Je pense que ils ont une expérience directe de la chose et leur point de vue vous sera très éclairant. Non, il faut en effet protéger la fontaine par d'autres moyens. Mais je ne doute pas que des personnes aussi pleines de ressources que vous ne puissiez y arriver. En tout cas, je vais m'en remettre à la sagesse du chef de notre guilde. Je vous promets, pour peu que ma parole ait une valeur, que je m'engagerai à faire en sorte que cette fontaine soit protégée. Mais, je suis mort, je ne comprends pas exactement ce que... Non, vous n'êtes pas mort, c'est juste que... Ah, me voilà rassuré. Allez, je vous dois cette petite explication, après tout. L'anneau que vos apprentis ont essayé de détruire et la magie que Sajabi a annulée, alors qu'elle aurait été très utile autour de votre forge. Mais bon, ça c'est une autre question. Le plus important pour moi était d'écarter le danger. Cette magie permettait justement d'établir un lien entre le monde physique sur lequel vous vivez et le monde des songes dans lequel moi je règne. Un lien qui aurait permis à des créatures comme vous d'accéder à ce monde-ci, mais pas sous la même forme que vous. Votre forme est beaucoup plus adaptée à cet univers que ne l'aurait été la forme, j'ai envie de dire, oui, matérielle, je pense que c'est comme ça que vous dites, que l'anneau aurait permis. Et c'est d'ailleurs pour cela que j'avais demandé à Sajabi de le détruire. La guilde des philosophes voulait venir me payer une petite visite désagréable, dirons-nous comme cela. Et donc voilà, quand vous avez
quand vous avez recopié la magie, les runes magiques qui composaient l'anneau, eh bien, ça a fait quelque chose avec votre nature de Sissix. Car après tout, n'êtes-vous pas un songe incarné, vous Non, c'est plutôt Idril. Oui, je m'y perds toujours avec toutes ces formes matérielles. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Oui, vous, c'est les mots, c'est ça. Oui. Vous créez qui vous êtes en l'écrivant sur votre propre corps. C'est ça. Très, très intéressant comme pouvoir. Très, très intéressant. Le poids des mots, le choc d'auto. Et du coup, vous représentez les songes, c'est ça? Disons que je règne sur une partie du royaume des songes, voilà, oui, tout à fait. Alors, pour ma propre, pas curiosité, mais pour avancer un peu dans mes recherches, je suis en train d'essayer de créer un être artificiel. Pour qu'il soit totalement complet, j'ai besoin qu'il pense comme un être biologique. Et je pense que peut-être un accès au rêve, ou en tout cas à l'univers qu'on peut créer pendant les phases de sommeil, pourrait lui apporter un plus. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est extrêmement intéressant. Voilà une recherche qui est, ma foi, à la fois, comment dire, osée et innovante. Vous ne réfléchissez pas comme tout le monde, mon petit Otto. C'est intéressant. Et tu vois qu'autour de moi, peu de gens réfléchissent vraiment. Il réfléchit et puis tu le vois qui ferme les yeux. Tu vois son front se plisser plusieurs fois. Et puis tu vois une larme qui commence à couler sur son œil. Il la ramasse et il te l'attend. Et au moment où tu attrapes cette larme, elle se transforme en cristal de quartz pur dans ta main. Par ce cristal, c'est une aide de votre personne sur mes recherches, sachez que vous n'avez pas simplement un allié, vous avez un serviteur. Je n'ai pas besoin encore d'un... Enfin, quoique... Eh bien, oui, voilà, j'accepte votre proposition, et donc sachez que grâce à ce cristal, votre grande œuvre sera capable de rêver et peut-être que si vous l'éduquez convenablement, il sera capable de penser par lui-même. Eh bien non, cette chute m'a été fort salutaire. Comment on s'en va maintenant? Ah, eh bien écoutez, je vais vous renvoyer dans votre monde. Et bien voilà, Otto, vous avez... je refais quand même une belle révérence maladroite, mais une des plus belles que Otto est capable de faire avec son armure, même si je suis là en forme astrale, oui. Pour lui témoigner quand même, parce que là c'était quand même une rencontre très très importante pour moi. Juste une chose, Otto, la descente va être assez désagréable. Et donc il fait, eh bien, au revoir. Je pense que malheureusement, nous risquons de ne plus jamais nous revoir, mais sauf si vous risquez à nouveau à tenter de déchiffrer la magie des songes, ce que je ne vous conseille pas, c'est quand même relativement dangereux. Surtout que vous auriez pu être intercepté par autre chose que par l'attraction de la face éclairée de la lune. Très bien. Eh bien voilà, bref. Ouais, je ferai attention. Si vous voulez un jour de nouveau tenter quelque chose, faites-le un soir de pleine lune, c'est plus sûr. Je n'oublierai pas ce conseil. Et maintenant, il est temps pour vous de descendre. Et en effet, tu sens ton esprit qui descend, enfin qui s'éloigne de la lune à une vitesse vertigineuse. Et alors que ton esprit descend à toute vitesse vers ton corps qui a été déplacé jusque dans votre QG près de ta forge, tu revis sur l'espace de
de quelques secondes tous les pires cauchemars que tu as jamais rêvés. Et au moment où où littéralement ton âme s'écrase dans ton corps, tu te sens lourd comme si le poids de ces cauchemars s'était matérialisé sur toi. Du coup, je coche quoi ? Sonné, confus ou marqué ? Non, tu ne coches rien, mais si tu y veux, mais non, je pense pas. Je compte sur toi simplement pour en tenir compte dans la fiction. Très, très bien. Voilà. Et c'est à ce moment-là que tu entends la voix de... Au moment où tu te réveilles, tu entends la voix de Pochet qui fait mais maître Sajabi, nous voici ruinés ! Ruinés ! Que fait ? Et on va dire, Sheila, tu entres à la guilde à ce moment-là et tu vois, donc tu entends le pauvre Pochet qui s'il pouvait, serait en train de pleurer, mais évidemment en tant que cri-cri-tri, c'est pas évident. Et donc là, il te fait et ben voilà, regardez, Sheila, est-ce que vous vous rendez compte que Sajabi vient de donner tout notre or à ces vauriens, à ces racketeurs, à ces... Oh, calme-toi, j'ai rien fait, j'ai rien volé. Qu'est-ce qui se passe ? Je lève les bras comme si je m'étais fait pincer par la milice. Ok, ben donc on peut considérer que Sheila Sajabi et Otto, vous êtes ensemble. Mm-hmm. Calme-toi, Pochet, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a dehors ces mercenaires payés par la guilde des philosophes qui ont menacé de prendre d'assaut notre guilde et Sajabi a donné tout notre or pour qu'il nous laisse tranquilles. Ruinés, nous sommes ruinés, c'est la fin. Qu'est-ce qu'il fallait faire selon toi ? Parce que, je veux dire, j'ai vu les mercenaires, il y en avait quand même pas mal. J'ai d'ailleurs dû faire 2-3 détours pour les éviter. Mais ne venez pas me demander ce qu'il fallait faire. C'est vous, le maître de la guilde. Hein. Après, où est Idril pour nous donner ses consignes ? Idril est à la guilde des philosophes. Oui, vous lui dire de revenir. Elle est maintenue en otage à la guilde des philosophes. Hein ? Hein ? Ils exigent qu'on leur remette l'anneau magique en bois elfique, en bois d'acier, enchanté de son enchantement d'origine pour libérer Idril. Ah bah non, le roi des elfes de l'hiver est formel, il faut pas aider la guilde des philosophes, que ce soit pour les anneaux ou pour la fontaine des songes. Moi, je pense que je viens de poser une main sur le front, tu sais, je m'attends à la trouver bouillante. Elle l'est peut-être d'ailleurs, je sais pas trop quelle est la température de ton espèce, mais j'ai ce geste. Elle est sans doute moite, en tout cas. En tout cas, effectivement, je... Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Oui, je viens de le rencontrer là, pendant ma chute sur la Lune. Et... Bon, d'ailleurs, il me demande de te dire merci, hein, Sajabi. T'as bien fait de détruire l'anneau, a priori, selon lui. Mais c'est pas ça le plus important. Il faut que Sajabi, tu t'entoures de gens plus intelligents que toi. Donc, ça serait bien qu'à partir de maintenant, tu nous écoutes. Bref. Faut quand même qu'on ramène Idril. Là, il y a des choses importantes qui sont en train de se passer. Otto, avant toute chose. Vous n'avez jamais dit à De Calfa que vous étiez son serviteur, que vous signiez, vous n'avez pas signé de contrat ou quoi que ce soit avec lui. Je lui ai peut-être parlé que je pourrais être son serviteur, mais il n'a pas l'air d'avoir. En tout cas, j'ai rien signé. Ah. Il est ma foi fort cordial. Enfin, quelqu'un qui prend le temps de m'appeler par mon nom. De Calfar est très séducteur.
Ouais, bon, c'est pas mon genre, moi, les bonhommes de 3 mètres, ça a plutôt tendance à m'intimider. Mais C'est quoi vos conneries là? Hey, Otto, surveille ton langage, jeune fille. t'étais allongé là jusqu'à il y a 5 minutes. Et là, t'es en train de déblatérer des trucs mais complètement incompréhensibles. Ouais, mais c'est bien pour ça que je parle à Sajabi, parce que lui comprend. Donc, où en étions-nous? C'est vrai? Tu comprends ce qu'il raconte? Malheureusement, oui. Docalfar est une entité secrète qui influe sur Varkit depuis un royaume caché. Bon, caché, on le voit quand même plutôt pas mal. C'est juste que je pensais pas qu'il y avait quelqu'un dessus. Toujours est-il qu'on a notre ami Idril, qui, en plus d'être notre ami, est quand même la chef de la guilde, hein, qui, a priori, a des soucis. Ça serait bien qu'on se remue un petit peu les plumes, mes chers amis. C'est quoi ce problème? Sajabi vient de nous dire qu'elle est otage de la guilde des philosophes. Ouais, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? On peut pas s'éloigner 5 minutes sans Langage, que jeune tu me fille. fasses des conneries? Pardon. On ne peut pas s'éloigner 5 minutes sans que vous fassiez des bêtises? Qu'est-ce que tu as encore fait, Sajabi? J'ai pensé que détruire l'anneau libérait Otto de la terrible malédiction et de son totalisme, mais ça n'avait presque rien à voir. Ah, en tout cas, a priori, l'anneau, si j'ai bien compris, c'est mieux pour tout le monde qu'il ne tombe pas dans les mains de la guilde des philosophes. Il se trouve que, il n'est pas dans les mains de la guilde des philosophes. Donc pour l'instant, on va dire que c'est plutôt bien. Mais c'était quoi cet anneau? C'était un anneau qui donne du pouvoir sur les rêves. Si j'ai bien compris, en tout cas, qui est lié aux rêves, comme la fontaine des songes. Et que ceux qui pourraient en contrôler son pouvoir pourraient avoir des influences sur les rêves des gens, ce qui voudrait dire que pourraient peut-être les influencer pendant leur sommeil. Enfin bref, ça c'est un peu confus, mais a priori, c'est fait. On a un problème immédiat. Concentrez-vous, les amis, s'il vous plaît. Le chef de notre guilde qui pour l'instant n'a plus une seule pièce. On est complètement fauché. Notre chef, qui peut trouver peut-être des solutions pour arranger ça, et qui est notre représentant et notre guide, est prisonnier otage d'une des guildes les plus influentes de la ville. Et ça serait peut-être bien qu'on se bouge les fesses pour l'en sortir. Ouais, mais ouais, enfin, après, si tu veux une solution pour trouver de l'argent, j'en ai peut-être une, mais Est-ce que tu as bien écouté ce que je t'ai dit, Sheila? non, j'ai arrêté après argent. C'était quoi le reste? Tu te prends un taquet. Hey! Excuse-moi, j'aurais dû enlever mes gants. Crois que je vais aller bouder dans un coin, tu sais. Bon, ça Jabi, ça s'est passé comment dans cette guilde? Ils veulent l'anneau, c'est ça? Ils veulent l'anneau. Qui est fondu et sans propriété magique, parce que les propriétés magiques, je les ai détruites. C'est très bien qu'ils ne devaient pas rentrer en possession, mais ce qu'on peut faire, c'est que vous reforgez l'anneau. Sans propriété magique. Non, j'ai peut-être. Non, pardon, je vous ai coupé, c'est très mal poli de ma part. Continuez votre pensée. Et je détaille ce que nous pouvons faire comme excuse et comme avenant au contrat que j'avais établi, en leur rendant l'estampille qu'ils nous avaient donnée et en s'excusant que malheureusement l'anneau a ses réserves magiques épuisées. Alors, je le mets dans un coin de ma tête. L'idée est, à ma foi, fort pertinente. J'ai autre chose à vous proposer. Et après, peut-être que mon idée ne l'est pas. A priori, il y aura un lien entre l'anneau et la fontaine des songes. Et cette fameuse guilde des philosophes est au courant. Cette fontaine des songes est en ce moment en danger. Puisqu'elle fait peur à pas mal d'habitants de l'amas, et en plus est pillée, a priori, par les façonneurs des songes. On pourrait dire que grâce à l'étude qu'on a faite sur cet anneau, qui est une vérité,
Nous avons étudié cet anneau, ça m'a même permis de faire un petit somme. Pour pouvoir reforger cet anneau, avec les pouvoirs qu'il avait, il faut que nous puissions étudier cette fontaine, et que cette fontaine soit protégée pour que personne d'autre ne puisse y avoir accès que nous. Ce qui permettrait dans un premier temps de mettre la fontaine en sécurité, de temporiser en travaillant pour la guilde des philosophes, et de voir après, avec Idril, comment on peut se débarrasser de cette situation. Donc, si je résume, vous voulez que je demande à la guilde des philosophes qui nous haïssent d'assurer la sécurité de la fontaine des songes pour qu'on puisse reforger l'anneau comme s'ils avaient notre confiance. Exactement. Pour leur compte, évidemment. Oui, oui. Je pense qu'on a vraiment besoin d'Idril pour prendre des bonnes décisions. Hein. Sheila, vous avez une idée ? Au lieu de bouder ? Non. Mais bon, si vous êtes intéressé par... si vous voulez de l'argent, j'ai peut-être trouvé un endroit où on pourra en trouver. Bah, l'argent pourra toujours être utile à notre problème. Dites-nous. Je regarde Otto avec un air un petit peu... un petit peu par en dessous, tu sais, genre non, mais il va jamais me croire, c'est pas possible. Ouais, non, mais je sais que c'est des racontards et que en dehors de l'amas, personne n'y croit. Mais vous savez, l'histoire des cinq héros là qui sont venus piller Varkit à l'époque, il y a pas mal de gens qui racontent que les gens de l'époque auraient caché un petit magot. Dans des tunnels de lave qui y a sous la ville. Et il se trouve que j'ai trouvé une entrée vers ces tunnels. Donc, de fil en aiguille, on devrait être capable d'aller retrouver ce fameux trésor. Ouais, c'est Idril qui m'avait demandé d'aller faire une reconnaissance à côté de la statue pour voir un petit peu... la guilde là qui fait des fouilles interdites ou presque. Bah, j'ai trouvé l'endroit des fouilles et j'ai trouvé des accès à ces fameux tunnels. Donc, je sais pas pour vous, mais moi j'ai très 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 envie d'aller continuer ces explorations là pour voir où ça mène. Ok, pendant ce temps là. On va laisser sur ce cliffhanger et laisser les autres mûrir la révélation de Sheila. Pendant ce temps-là, donc, Idril est toujours collé au mur de la, comment dire, de cette officine de la guilde des philosophes. Et à un moment donné, Maître Ishtar arrive tout seul dans la pièce où on t'avait laissé coller à ton mur. Et il prend une chaise, il vient la mettre devant toi, il claque des doigts et le sortilège s'arrête et te dépose délicatement au sol. Il fait « Ah, Idril, je suis navré que tout cela doive se placer comme cela. » Mais quelle idée vous avez eue aussi de prendre cette bien regrettable initiative ? Bien écoutez... Quelle mouche vous a donc piqué ? Dans notre métier, vous savez, nous travaillons avec beaucoup d'objets étranges qui ont des propriétés magiques très puissantes et nous tenons à la sécurité de nos clients. Vous ne nous aviez pas prévenu de la dangerosité de l'objet et hélas, je comprends maintenant que notre action était regrettable et regrettée, mais nous ne pensions qu'à vous protéger. Quand vous travaillez avec des minables comme les juristes pesteux, les recyclants, les façonneurs des arts exceptionnels, je peux comprendre que ce genre d'initiative s'impose. Mais quand vous travaillez avec nous, vous faites ce qu'on vous demande.
comme on vous le demande. Après, c'est tout. Je comprends, nous avons fait une erreur. Écoutez, je suis sûr que nous pouvons réparer cette erreur et nous sommes prêts à faire tout notre possible pour regagner votre confiance. Ah, ben écoutez, cela tombe bien. Bon, la première chose, mais je sais que, comment dire, nous avons déjà délégué des gens vers cela. Nous allons aller récupérer une compensation au siège de votre guilde. Je grimace un peu. Ah oui, les erreurs se payent cash ici à Varkit, hein, bien sûr. Hein. Mais il y a une autre chose que vous pouvez faire pour nous. Bon, vous avez compris maintenant, évidemment, que ce qui nous intéressait, c'était pas tellement l'anneau en lui-même, plutôt que le pouvoir qu'il renfermait. Et il y a une source similaire de pouvoir ici à Varkit, plus difficilement accessible et enfin, je veux dire de manière discrète, puisque dans cette mission, et je tiens à ce que cela soit parfaitement clair entre nous, la discrétion s'impose. Nous vous avons choisi, votre guilde, parce que vous comprenez l'importance de la discrétion dans les rapports que vous devez avoir avec les autres guildes. Tout à fait. D'accord ? Absolument. Et cette autre source similaire de pouvoir, vous faites référence à quoi exactement ? Je fais référence à certaines études que mènent pour le moment les façonneurs des arts exceptionnels. Par l'intermédiaire d'une autre guilde de minables, je pense que ce sont les récupérateurs ou quelque chose comme ça. Bon, mm-hmm. Détails que tout cela, enfin bon, détails qui vous intéresseront certainement, puisque nous ne pouvons pas nous permettre que notre intérêt pour cet artefact soit connu, et donc eh bien, nous aimerions que vous récupériez les données qu'ont accumulées ces guildes et que vous nous les fassiez parvenir. Il est évident que tout ce travail doit disparaître. Faire disparaître leur travail. Mais excusez-moi, mais les données sur les guildes, sur quoi? Quel genre de recherche? Est-ce que c'est sur un artefact? La fontaine des songes. Ah, sur la fontaine des songes. Et nous aimerions bien que ces travaux disparaissent des mains des guildes qui étudient la fontaine des songes pour réapparaître chez nous. Je le vois, c'est très clair. Et il n'est pas question que des copies apparaissent par génération spontanée, n'est-ce pas? Non, ce genre de choses ne se fait pas. Non, bien sûr, mais quand on fait des erreurs énormes au point de détruire de puissants artefacts magiques, je préfère m'assurer que nous sommes maintenant parfaitement compris. Tout à fait. Écoutez, ça ne paraît pas être une tâche facile, mais rien d'insurmontable pour la guilde des archéomanciens. Oui, et surtout rien d'insurmontable pour la discrétion avec laquelle vous opérez d'habitude. Ah, toujours, toujours la discrétion. Eh bien, c'est entendu. Je lui tends la main pour une bonne poigne de main pour sceller ce nouveau marché et cette nouvelle entente. J'en déduis donc que vous avez bien détruit cet anneau. C'est le pouvoir oiseau de mauvais augure avec lequel vous travaillez. Non, je n'ai pas dit que nous l'avons détruit. Nous avons tenté d'enlever son... la malédiction qui l'habitait, je crois que c'est ainsi qu'a dit mon collègue. Et donc il ignore la main que je lui tends, j'imagine. Oui, tout à fait. Il te regarde avec le plus haut dédain. Bon,
mais si vous avez encore l'anneau, je vous serais gré de nous le faire parvenir avant que l'éclair de la Dame Verte illumine la ville ce soir. Je vais de ce pas rentrer dans nos locaux pour voir ce qu'il est possible de faire. Oui, très bien. Faites donc cela. Ah, et une chose, Idril. Mm-hmm. Est-il d'essayer de nous joindre tant que vous n'aurez pas parfaitement accompli votre mission? Oui, bien fait comprendre. Oui. Première. Laissez-nous juste un peu de temps, parce que la discrétion demande de la prudence, de l'enquête, avant de passer à l'action. Vous comprenez, je suppose. Ça fait 5 jours. Ah, non, ça fait 5 jours, écoutez. Non, écoutez, franchement, vous voulez du travail discret, du travail efficace, être sûr qu'on ne laisse aucune trace, aucune copie. Et tu te retrouves complètement poussé contre le mur, coincé contre le mur, complètement bloqué. Je peux aussi me débarrasser d'éléments gênants et aller demander à d'autres de réaliser cette mission. Ce serait du travail beaucoup bien, moins bien fait. Là-dessus, il te relâche et il fait « Eh bien, montrez-nous la qualité de votre travail et également la célérité avec laquelle vous êtes capable de l'effectuer. Au revoir, Gabriel. » Au revoir, je réajuste mes vêtements et donc je suppose qu'il me laisse sortir, c'est ça? Oui, tout à fait. Est-ce que tu essaies de faire quelque chose avant de sortir? Non, je suppose que je n'ai pas l'occasion non plus de lui serrer la main non plus ou de l'effleurer en passant ou quoi que ce soit. Tu peux essayer, mais pour y arriver, je pense que je vais te demander de braver le danger avec la dextérité d'abord. Bah, je vais essayer quand même. En faisant quitte à faire le maladroit dans l'entrée ou quelque chose comme ça. Voilà, faire semblant de trébucher. Ou... C'est ça, j'ai été un peu secouée là parce que... du coup, je brave avec la dextérité. S'il te plaît. Succès complet, 13. Alors, je ne peux pas faire mieux. Non, tu ne peux pas faire mieux. Donc, fais-toi plaisir. Et ben, du coup, je vais en profiter pour essayer de lire son esprit. Ok, donc tu t'arranges pour avoir un contact physique avec lui de manière à pouvoir lire son esprit, c'est ça? C'est ça, oui. Allez, vas-y, lance le... Écoute, tu peux lancer le... Non, parce que j'allais te donner un bonus de plus 1. Ah. J'ai fait un succès complet et que je ne voulais pas être méchant. Donc, ça fait l'équivalent d'un 7-9. Ça me sauve. Et du coup, je vais demander qu'essaye-t-il de cacher? Qu'essaie-t-il de cacher? Ben, il essaie de cacher que les deux autres maîtres que tu as vus, d'accord? Oui. Peut-être tu pourrais essayer d'identifier, puisque tu as quand même leur portrait bien en tête. Il essaie de cacher que les deux autres maîtres sont très, très, très mécontents contre lui et vont probablement utiliser le fiasco de l'anneau dont vous êtes responsable pour lui nuire et que c'est pour cela qu'il a besoin que vous entre guillemets répariez votre bourg le plus rapidement possible. D'accord. Et qu'est-ce qui lui est le plus cher? Qu'est-ce qui lui est le plus cher? Ah, intéressant ça. Tu sens son esprit divisé entre sa volonté de prendre le pouvoir dans sa guilde, bien évidemment, et pour cela, son plan est clairement de s'emparer du pouvoir du monde des rêves, mais tu vois que ça, cette ambition... la joue à parts égales avec son désir de retrouver l'amour de sa vie. Ah, et j'arrive, je ne lis pas dans son esprit qui c'est. Si, c'était la femme morte sur la dépouille de laquelle vous avez retrouvé l'anneau. Ah, d'accord. Ouais. Ok.
Et tu lis dans son esprit, puisque je vais être gentil, tu lis dans son esprit qu'il est persuadé que l'anneau a permis à sa femme d'atteindre le monde des rêves. Ah. Et qu'il associe, et puis c'est une tradition de toute manière dans Varkit, qu'il associe à la face, à la face éclairée de la lune. D'accord. La face cachée étant le monde des cauchemars. Ok. Très bien. Ben sur ce, je m'en vais et je rentre le plus vite possible au locaux de la guilde. Ok. Écoutez, pendant ce temps-là, la guilde, j'imagine que vous avez continué à vous chamailler pendant quelques temps. Et oui, effectivement. Et comment dire je pense que c'est plus pertinent si on reprend au moment où Idril revient à la guilde. Oh oui, clairement. Hein? Ok. Ouais. Après, peut-être que je sais pas comment s'est terminé notre discussion. Mais j'imagine bien que elle arrive au moment où j'ai pris la décision que j'allais la chercher, tu vois. Oui. Alors, finalement, je me décide, j'ouvre la porte et elle est derrière. Ok, c'est cool. J'adore. Vas-y. Et ben du coup, je suis en armure complète, avec un regard. Je sais pas si Sajabi ou Sheila ont décidé de venir avec moi ou pas. Et je pars vraiment en direction de la guilde des philosophes en me disant qu'on ne peut pas laisser notre chef là-bas. Quand j'ouvre la porte, derrière. On a un morceau de fer fondu entre les mains, c'est ça? Enfin, de bois d'acier fondu entre les mains. Comme tu veux. Oui, ben on avait ça entre les mains et on allait partir tous les deux. Hein. Oh bah tous les trois, parce que vous avez besoin d'un guide, il faut aller vite. Oh bah ça va, pour aller jusqu'au Sénat, ça va. Ouais, mais tu serais surpris. Tu serais surpris des petits chemins qu'on peut trouver à droite, à gauche pour aller plus vite. Toujours est-il que quand on ouvre la porte, il y a Edril juste derrière. Ouais. Ah Otto, tu es sur pied, tu vas mieux. Oui, vous êtes revenu, nouvelle. Vous avez réussi à vous échapper. Ah oui, ils m'ont fini par me libérer. Ah. Bon, on n'est pas tiré d'affaire, je vous le dis, hein. Et j'ai vu les mercenaires un peu partout là qui partaient. Oui, ils sont partis avec notre or. Ah, combien ils ont pris? Nous tout. Tout? Oh. Oh non. Oh. Bon. Non, c'est pas grave. J'ai peut-être trouvé un trésor. Trésor. Bah, je te refais la même. Hein, je t'explique ce que j'ai trouvé. Bon, alors ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, il va falloir gérer bien, parce que vous savez que si on nous demande d'enquêter sur les fouilles que font Ifrit et Silver, eh bien, vous savez ce qu'ils cherchent, Ifrit et Silver, ils cherchent le même trésor. Donc, si on ne veut pas avoir les juristes pesteux sur le dos, parce qu'on a déjà assez de monde sur le dos pour l'instant, va falloir jouer fin. Donc, voir si on peut éventuellement récupérer quelques artefacts intéressants et puis fournir les preuves avant d'avoir tout pillé, n'est-ce pas, Chia? Fournir des preuves. On prend juste ce dont on en a besoin, c'est tout. Ouais. Bon, mais il y a plus pressant. Enfin, je ne sais pas lequel est le plus pressant, à vrai dire, mais... Déjà, rentrer. Bah, je pense que j'ai fermé la porte derrière moi et que je parlais en allant vers le salon, tu sais, vers notre grande salle d'accueil. Bon, parce que c'est il va falloir quand même s'occuper de nos relations avec la guilde des les philosophes. Mmh. Bon, Sajabi, oui. L'anneau, il est dans quel état? Parce qu'ils veulent le récupérer d'ici ce soir. Alors, je tends le morceau de fer fondu que j'ai dans les mains. Mmh. On va la rendre ça, hein, ça sera déjà ça de fait. Vous le rendez en fait un espèce de pinago en bois acier. Hein. Voilà. Voilà, voilà. Un poids de 10 grammes, quoi.
C'est ça qu'en ont fait les apprentis. Hein. Ça ne ressemble plus du tout à l'anneau que vous aviez récupéré sur le corps de l'ancienne femme de Maître Ishtar avant qu'il ne soit, comment dire, il ne soit relevé. Voilà. Alors, l'autre option, si on refait une imitation, hein, non magique, mais une imitation qui ressemble. Alors, en fait, on avait besoin de toi, Otto, pour faire ça. Alors, ça tombe bien que tu es à nouveau, tu as l'air d'être en forme, là. Encore. Ça me demande une deuxième fois de faire le faussaire avec mes compétences. Oui, tu refais la même. Tu as dû garder les plans, les petites grunes, tout ça. Tu as dû tout noter, avoir le moule et tout. Tu n'as plus qu'à refaire la même chose avec celui-là. Et voilà, puis après, je ferai le café et puis je ferai les photocopies. D'un point de vue sémantique, c'est pas un travail de faussaire puisque, en fait, tu travailles sur les matériaux d'origine. C'est plus... Comment il dit déjà ? De la restauration, voilà. De la restauration. C'est bien ça, si vous voulez que je vous fasse le café. Non, ça je peux. On veut que ça, tu fasses un faux, en fait. Hein. Voilà, soyons clairs, Sheila, n'essayons pas de faire semblant d'avoir une morale exemplaire. Non. Ah non, surtout de me prendre pour un imbécile. Personne pour nous donner ce genre de leçons. Quoi qu'il en soit, il nous faudrait avoir cet anneau d'ici ce soir. D'ici, oui, c'est ça. Donc il ne reste plus beaucoup de temps. D'autre part, pour nous faire pardonner, ce cher Ishtar nous demande un autre service. Et je vous explique ce qu'il nous a dit à propos de récupérer les données des guildes sur la Fontaine des Songes. Alors, moi, pendant que vous étiez en compagnie des philosophes, il se trouve que moi, de mon côté, j'étais en compagnie du roi des elfes sur la Lune. Et nous avons... Oui, posez pas de questions, ça m'énerve. Il m'a demandé expressément de donner trois messages. Un pour remercier Sajabi. C'est fait, j'ai remercié Sajabi. Et les deux autres pour nous informer. Remercier Sajabi de quoi ? D'avoir détruit l'anneau. Il y en a un qui est content. Il va nous payer Est-ce que je peux continuer ? J'avais trois points à mon exposé, j'en suis qu'au premier. Alors, deuxième point de mon exposé, il faudrait, selon lui, empêcher les façonneurs de fabriquer une deuxième fontaine des songes, parce que ça pourrait être extrêmement problématique. Ouais. Troisième point, il faudrait protéger la fontaine, la vraie, puisque elle est actuellement, on va dire, attaquée, ce n'est pas le mot, mais inquiète un certain nombre d'habitants de Lama qui pourraient voir dans cette fontaine quelque chose de néfaste et qui pourrait avoir envie de la détruire, voire de l'abîmer. Et il se trouve que, en discutant de tout ça, nous sommes arrivés ensemble, puisque nous discutions telles deux personnes, qui aiment les mots, qui aiment disserter, qui aiment réfléchir et comprendre ce qu'il passe autour d'eux. Nous dissertions autour de cette fameuse guilde des philosophes qui semble avoir l'intention de s'accaparer les pouvoirs de la dite fontaine, ce qui corroborerait cette idée qu'ils veuillent des informations par rapport à ce que les autres, et notamment les façonneurs, sont en train de faire, et qu'ils veuillent cet anneau qui est lié lui-même, puisque lié au monde des elfes, pour s'accaparer le pouvoir des songes, et par là même, peut-être avoir une influence sur l'ensemble des habitants de Varkith. Autrement dit, philosophe, si on fait ce qu'ils veulent, égal, pas bien, pas bien. Ça me paraît un peu tiré par les cheveux, votre raisonnement là. Je n'ai pas de cheveux, je vous rappelle. Ça doit être pour ça. Que ce genre de méthode n'est pas la mienne. J'analyse, j'essaye de comprendre et j'applique. Voilà. Maintenant, vous êtes la chef, je vous ai donné les informations, j'ai exposé tout ce que je connaissais en trois points qui me semblaient assez clairs. Maintenant, la balle est dans votre camp. Idril, permettez-moi. De Calfar, l'entité dont parle Otto, oui. Je dois vous avouer que c'est d'elle que je tire mes pouvoirs magiques. Ah! Donc, il n'a pas inventé cette personne suite à avoir consommé quelque chose de trop dans sa vie. Donc, on parle de votre
Dieu ou bon, bref. Et bon, alors je résume. Ou pas, parce que c'est trop long. Oui, puis je pense que j'avais été suffisamment clair. Hein. J'avais quand même bien préparé mon petit speech. Alors, moi, je suis d'accord avec vous que Calagui des philosophes veut avoir le contrôle sur cette fontaine et avoir le contrôle avec ce monde des rêves. Je ne pense pas qu'ils aient forcément... Je ne vois pas trop le lien avec contrôler tous les gens de la ville. Ça me paraît un peu farfelu, cet aspect-là. Moi, qu'il y a des éléments que je n'ai pas... Ça, j'habille bah, s'il y a quelqu'un qui doit bien pouvoir comprendre qui doit pouvoir comprendre le pouvoir des songes, c'est bien vous. Bah, et tout à fait. Je ne vois pas du tout en quoi... En maîtrisant les rêves des individus de la ville, on peut les faire agir, leur suggérer les bonnes actions. Et donc... réduire le champ des possibles à juste agir en faveur des actions qu'on a déjà pré-choisies puisqu'on contrôle les rêves des individus. Je pense que du point de vue d'Ishtar, ce qu'il désire surtout, c'est d'utiliser ce pouvoir du monde des rêves pour retrouver sa femme décédée, sa femme morte. Oh, quelle drôle d'idée. En tout cas, je pense que c'est une des choses qu'il... Tu voudrais dire que ce soir, pour le paiement, si nous pouvons lui donner... un rêve en présence de sa femme, on pourrait diminuer sa colère envers nous. Bah, il faudrait qu'il sache que c'est grâce à nous, parce que sinon, je doute qu'il ne soit très reconnaissant. Je pars dans ma bibliothèque, je vais chercher là-dessus. Oui. L'autre petit point à noter, c'est qu'il y a pas mal de tensions entre Ishtar et les deux autres maîtres de la guilde qui vont sûrement tenter quelque chose pour lui nuire. Donc il y a peut-être aussi quelque chose à faire là pour mettre un petit peu de sable dans les engrenages de leur guilde et tenter de l'affaiblir par des dissensions internes. Sable dans les engrenages. Ça vous parle ça, non ? Comme image. J'ai essayé de trouver des images qui puissent... C'est douloureux. Voilà. Voilà, c'est ce qu'on veut. Il faut l'affaiblir, cette guilde. On est en... Je ne suis pas sûr qu'on parvienne en 5 jours à récupérer toutes ces données de toutes les guildes sur la Fontaine des Songes. Je suis assez inquiet, je vous avoue. Bah, les données, elles ont transité par les récupérateurs, si j'ai bien tout suivi. Possible. Bah, c'est-à-dire que quand j'ai été l'autre jour chez les récupérateurs, c'est en suivant des... J'ai suivi des gamins qui avaient pris des instruments bizarres et qui avaient beaucoup regardé la fontaine. Et quand je suis arrivé là-bas, mon ancien boss était en train de discuter avec une personne que je ne connaissais pas. Je ne l'ai pas vue, hein, mais j'ai juste entendu sa voix. Et donc, apparemment, il y avait une affaire qui était en train de se nouer entre eux. Donc, si ça se trouve, ça, c'est complètement lié, tout ça. Oui, certainement. Oui, puisqu'il travaille effectivement avec les récupérateurs. Mais ce qu'il faut trouver, c'est les données, les résultats qui ont été réunis par les récupérateurs. Bah, si c'est les gamins qui travaillent, c'est les récupérateurs qui récupèrent les données au fur et à mesure. Alors, peut-être qu'ils ne les ont pas encore livrées. Ouais. Je pourrais toujours aller faire un tour au QG discrètement et jeter un œil si par hasard elles y sont encore. Ouais, faudrait vérifier si ça a été donné déjà au façonneur ou pas encore. Mais attends, si j'ai bien compris, les méchants de l'histoire, c'est les philosophes. Les méchants de l'histoire, je ne sais pas si c'est des méchants, mais en tout cas, on a des ennemis qui vont nous tomber sur le dos et nous écraser bientôt. Si on veut que cette guilde survive, effectivement... Non, parce que quelque part, Ah, je comprends pas avec vos histoires de type bizarre sur la Lune ou je sais pas où là. Je viens de réécouter ce que j'en suis en train de dire. Non, ça va pas, Otto. C'est pas possible. T'as fumé un truc. Non, pas que je sache. Bon, tout ça, ça ne nous avance pas. Chef, on fait quoi alors ? Bon, eh bien, je propose... Déjà, juste pour clarifier complètement la situation, je vous rappelle que nous avons aussi actuellement un contrat en cours avec la Guilde des Contre-Horlogers et que je n'ai toujours pas eu le temps de me consacrer à leur fabriquer leur bon dieu d'engrenage en adamantium. Mais c'est pas fini, ça, encore ! Le matériel. J'ai eu le temps de faire ça quand ? Oh !
Ben, je pensais qu'avec vos deux apprentis, au prix qu'ils nous coûtent quand même, ça pourrait avancer un peu plus vite. Donc déjà, si vous, j'ai un petit moment pour pouvoir régler ça, pour que on puisse retourner un petit peu dans nos fonds. Ah bah, indispensable. On n'a plus rien, il faut vraiment faut clore ça immédiatement. Et ensuite, il faut qu'on prenne, je pense, une position à réfléchir. Quelle est notre... comment nous allons agir par rapport à cette guilde des philosophes? Est-ce que nous allons avoir une position éthique et dire refuser de leur donner du pouvoir sur les habitants? Ou est-ce que nous allons avoir une position politique en disant ils sont puissants, nous allons les aider et profiter de leur puissance? Voilà, je pense que là, déjà, nous avons un nœud du problème à résoudre. Alors, je clarifie, la question c'est plus est-ce que nous allons être écrasés par cette guilde ou bien est-ce que nous allons survivre? Voilà, c'est plutôt ça, les termes de la décision, pour clarifier. Mais profiter de la puissance, on n'en est pas là, malheureusement, suite à cette erreur de Sajabi. Oui, après, si nous arrêtons à toutes les erreurs de Sajabi, nous n'avons rien le temps de faire. Hein. Chef, excusez-moi, mais... T'as encore besoin de moi, chef, là? Parce que je crève la dalle. Oui, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu ailles te renseigner auprès des récupérateurs pour savoir où est-ce qui a les données. Où ils sont. Laisse-moi 10 minutes. Voyons, okay. Je pensais pas que ça serait aussi rapide. Alors là, Sheila, impressionné. 10 minutes pour avoir toutes les informations? Sheila est très efficace. Je me dirige vers la cuisine, effectivement, ramasser un truc. J'espère qu'en plus de l'or, ils nous ont pas piqué les sandwichs. Bon, donc ça, d'une part, gagner du temps. D'autre part, l'anneau à rendre d'ici ce soir. Donc ça, Otto, c'est la priorité. Faire le faux anneau là pour rentrer ce soir. Et ensuite, l'engrenage en adamantium. Ça, c'est vos priorités. Ouais, j'ai encore bien dormir, moi, cette nuit. Ensuite, ah, mais cette nuit, on dort pas. Cette nuit, on va sous la dame verte, essayer de reconnaître, voir ce qu'on peut récupérer avant de dénoncer Efrit et Fritz et Silver. Voilà, c'est tout. Voilà le plan. Soit. Ah, et dernière chose en passant, le roi de la lune m'a offert un cristal de rêve qui peut-être pourrait nous aider dans notre petite affaire. Vous savez, ah bon, de donner vie à une créature mécanique. Oh. Vous pensez que vous pourriez en faire plusieurs avec le cristal, plusieurs créatures Parce que ça doit pouvoir se vendre, c'est d'une valeur incomparable, ça. Si vous arrivez à en faire plusieurs... Alors, rappelez-vous de notre objectif, qui est de créer un être vivant mécanique. Là, vous êtes en train de me parler d'esclavage. Ah non. De fabriquer des êtres vivants et de les vendre, là vous me décidez. Alors, et là, tu me vois vraiment se mettre à pleurer. Je me permets de te reprendre, c'est ton objectif, déjà, hein, on est d'accord. Ensuite, je ne vois pas en quoi, en ces temps de crise, ça va nous aider à sauver notre guilde. À moins de pouvoir, effectivement, monétiser la chose ou les choses. Mais vous êtes affreux! J'essaye de nous sauver. Otto, cet atelier, il te plaît, non, il te sert. Eh bien, demain, si nous n'avons rien pour payer, nous serons dehors avec la guilde des philosophes qui va nous pousser dehors. Déjà, ils ont failli nous sortir d'ici avec leurs mercenaires et nous mettre sur la paille. Si tu veux pouvoir continuer à faire tes recherches et faire vivre tes automates, eh bien, il faut trouver des solutions rapidement. Bon, j'ai compris. Je vais aller faire mon travail de faussaire dans mon atelier. Merci. Je ne vous salue pas. Sheila, c'est dans la cuisine. Tu peux me faire un petit thé, s'il te plaît? Oui, chef. Ok. Ça va, Bastien? Tu t'ennuies pas? Ah, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je pense que c'est même le plaisir de tout être de jeu, c'est de voir que les joueurs sont capables de jouer... presque trois quarts d'heure sans que je n'ai besoin de dire plus que trois mots. C'est merveilleux. Ben Otto, tu vas faire le facsimilé dans mon labo. Dans ton labo. Qui n'a pas encore eu trop la parole ce soir. Ah, mais ça, Sajabi.
Oui, que donnent mes recherches? Voilà, exactement. Bah, écoute, que donnent tes recherches? Puisque ce sont des recherches, je vais te demander évidemment de discerner la réalité. C'est des recherches intellectuelles. Hein. Je fous donc des... C'est l'intelligence, je t'en prie. Ah. Donc c'est un aller sa science ou c'est un discerner la réalité, tu me perds? Ben, ce sera un discerner la réalité pour que tu puisses me poser des questions adéquates, oh. Mais tu le fais avec intelligence plutôt qu'avec sagesse. Oh la vache. Comment on fait ça? Oh ben, tu lances 2d6 plus ton intelligence et puis on ira bien chercher les... Comment dire? Voilà. Ben, j'ai une question. Et donc là, tu l'as fait avec ton intelligence? Oh oui. Bon, oh. J'ai le même bonus, hein, mais j'avais changé dans Roll20 le... Ah ben voilà, c'est cool. Donc, t'as une question, vas-y. Qu'est-ce qui pourrait m'être utile ou précieux pour faire parvenir à Maître Ishtar un songe avec sa femme? Qu'est-ce qui pourrait être utile ou précieux? Dans toutes les discussions, je ne suis pas certain. Tu étais encore là quand Otto a sorti son petit cristal? Il m'en avait fait un débrief de son rêve la première fois. Oui. C'est pas là, la deuxième fois quand il a sorti son petit cristal, mais la première fois quand il m'a parlé du rêve. Ok. Ben écoute, y a deux choses qui pourraient être utiles. La première chose, c'est évidemment la fontaine des songes. Car je pense que bon, tu as largement deviné que la fontaine des songes était un espèce de portail de communication entre le monde des rêves et le monde réel. Et la deuxième chose qui pourrait être utile, c'est de comprendre comment Otto est allé rendre visite à Doc Alphar sans une invitation préalable de celui-ci. D'accord. Je ne sais pas lequel des deux est le plus simple pour toi. À toi de me dire. Otto, il travaille très ardemment dans son atelier et je pense que le déranger quand il travaille. La dernière fois, je crois que j'ai failli périr d'un jet de vapeur acide. Donc, je vais opter pour aller à la fontaine d'échange. Ok. Et du coup, je m'en vais voir Sheila. Ouais, que tu trouves. Tu trouves un petit peu palote. Vas-y, pardon. Vas-y, Sheila. Ouais, je disais, tu la trouves peut-être un petit peu palote en train de faire un café et de pas forcément être à sa tâche. D'ailleurs, enfin le café, le thé, pardon. Et d'ailleurs, quand je vais te le ramener, Idril, il va pas être aussi réussi que la dernière fois, quoi. Visiblement, j'ai repris mes mauvaises habitudes d'oublier un truc. T'as oublié le sucre, Sheila. Une fois de plus. Ah, pardon. Désolé, je suis un petit peu mal au crâne. Ouais. Tu voulais quelque chose, Sajid? Je suis trop tard. Excusez-moi, Sheila et Edril. Sheila, j'aurais besoin de vos compétences. Lesquelles? J'aimerais me rendre avec vous à la fontaine des songes. Oh, c'est pas très compliqué. Qu'est-ce que vous allez faire à la fontaine des songes? Tu prends la deuxième à droite, la petite ruelle ensuite à 200 mètres sur la gauche. Tu dévales pendant 3-4 rues. Enfin, non, pas, après, j'aurais besoin de vos habitudes à... pour enquêter sur place, je sais m'orienter. Attendez, Sajabi, sur quoi vous allez enquêter?
qu'on a quand même des choses importantes là. Qu'est-ce que maintenant vous allez enquêter? On est censé rendre un anneau, puis aller. On a des choses à faire, mais pas à la fontaine. Je souhaite satisfaire Maître Ishtar en lui donnant un rêve avec sa compagne. Vous allez lui proposer de lui offrir un rêve? Je ne crois pas que ce soit judicieux et ce n'est pas quelque chose qu'il a demandé. Je pense qu'il sera particulièrement reconnaissant. Ça me paraît risqué, en fait. Vous m'avez dit que c'était ce qu'il désirait le plus. Oui, tout à fait, mais on n'est pas censé le savoir. Et si ça va avec la magie de l'anneau qu'on lui rend. Mais vous pensez qu'il va nous donner quoi en échange? Rien, mais qui sera, heureux. Vous faites en sorte qu'il y reste un peu longtemps dans son rêve. Ça va nous tomber dessus après. Je ne ferai rien pour le nuire personnellement, juste pour le satisfaire. Je dirais que l'anneau, en brisant la malédiction, nous avons trouvé un moyen d'accéder au songe. Nous allons lui proposer ce moyen d'accéder au songe et de revoir sa femme. Voilà. Et nous nous arrêterons sur cette proposition et nous verrons ce qu'il en fera. Est-ce que vous avez moyen de lui proposer que l'on recharge l'anneau pour qu'il puisse avoir ce type de rêve plus souvent, ce genre de choses? Il faudrait qu'il y ait une dépendance envers nous. Ça peut lui plaire, mais il faudrait qu'il ait besoin de nous pour pouvoir profiter de cette expérience qui va certainement lui plaire. Et donc, vous réfléchissez un peu trop comme moi, ma chère Idril. Croire que vous déteignez sur moi. Alors, ce serait quelque chose qui serait possible? Eh ben, je ne sais pas trop comment, mais je ne sais pas si est-ce que c'est une charge magique que l'on peut remettre régulièrement, quelque chose comme ça. Ça me semble probable, mais pour ça, il faut enquêter à la fontaine des choses. Nous pourrions partir tous les trois, voire tous les quatre, si Otto peut avoir un trou dans son planning. Je vous suggère de laisser Grodion en dehors de tout ça. Bon, oui. Allons enquêter. Je montre à la garde. Sheila, vous êtes un peu palote. Vous êtes sûr que tout va bien? Oh oui, ça devrait aller. C'est pour marcher un petit peu. L'air me fera du bien. Ok, vous quittez votre pied à terre et vous vous rendez gentiment à la fontaine des songes. Je suis en train de me demander est-ce que ouais, voilà. Je vais vous demander de battre les pavés. Alors. Objection, chef. Oui, quoi? J'ai un move pour ça. Oui, mais justement, le truc, c'est que comme tu es en manque, pour moi, battre les pavés va prendre précédence. Donc, je vais ajouter une aide de jeu pour battre les pavés. Hop. Donc, puisque battre les pavés, le déclencheur, c'est quand votre déplacement en milieu urbain est soumis à un enjeu ou empêché par un obstacle. Et ici, l'obstacle, c'est que tu vas rentrer dans un délire à cause de ton manque de cocaïne. Ok? Ok. Donc, dans ce cas-là, tu dois définir l'obstacle, c'est fait, et qui va déterminer la caractéristique la plus appropriée. Tu l'as mis quelque part, l'aide de jeu là? Attends, il faut que je la sauve, voilà, et puis que je la montre à tous les joueurs. Voilà. Super. Donc je pense que. Dis-moi comment tu comptes t'en sortir, parce que bon, tu te rends bien compte à un moment donné que tu es en train de te perdre
et que te revient à la mémoire ce bon vieux dicton qui dit qu'un raccourci est le plus court chemin pour se perdre. Je pense que par habitude, je vais faire confiance à mon instinct et mon lien avec la ville. C'est ce qui me paraît le plus logique. Tu lances 2d6 plus sage, s'il te plaît. Ouais. Sheila. Alors, 7. 7, donc tu choisis 3, ci-dessous. Alors, 3 sur 4. Donc, ou si tu préfères, tu choisis celui qui... Le truc. Eh ben, je pense qu'on va subir un contretemps fâcheux. D'accord. En fait, alors que d'habitude, je suis extrêmement efficace pour trouver les chemins les plus rapides, là, je nous ai fait prendre des tours et des détours. Ce qui fait que, en fait, on va prendre 3 plombes pour y aller, alors que d'habitude, moi, j'y serai en 10 minutes, quoi. Ok. Eh ben, je propose que vous arriviez à la fontaine des songes peu de temps avant l'éclair vert qui marque la transition entre la journée et la nuit. Et que là, Idril, tu te rends compte que, il va falloir que vous comptiez sur l'initiative et le bon sens de notre ami Otto pour aller livrer l'anneau à Maître Ishtar, parce que vous, évidemment, il est bien trop tard pour que vous puissiez faire demi-tour et vous assurer de cette tâche. Oula, on est mal. Mais bon, vous êtes à la fontaine des songes. Comment comptais-tu t'y prendre pour récolter les informations dont tu as besoin, Saint-Jabi? La fontaine des songes, il y a un souterrain qui permet d'accéder à des écritures, à de la magie qui l'entoure. Ça va demander d'inspecter les lieux, ou alors tu fais appel à ta mémoire. J'inspecte les lieux. Après, moi, je la connais un peu par cœur, la fontaine, vu le nombre de fois que je me suis perdu à côté. Et puis, j'ai vu aussi où les gamins regardaient, faisaient leurs mesures. Ouais. Okay. Je vais pas demander de jet. Sheila, la fraîcheur du soir te permet de quelques moments de lucidité pour aider la missage à bille. Et malgré ça, ça va pas fort quand même. Non, ça ne va pas. et alors, Sajabi? Oui. Tu arrives à comprendre. Grosso modo, la magie de la fontaine des songes. Et est-ce que tu as une action du style rituel ou quelque chose comme ça, ou Je ne crois pas, mais on va regarder. Pas pour ça. Tac, tac, tac. Ah, tu regardes en même temps. Oui. Ah, pardon. Non, j'ai rien qui implique. Mais écoute, donc tu en déduis que c'est possible, mais il va falloir que tu fasses appel à un autre type de mage que toi pour créer un rituel qui te permette de connecter le pouvoir de la fontaine et celui de la face glacée de la lune. Ok.
Pendant ce temps-là, notre ami Otto, ben, tu es arrivé dans ton atelier où tes deux apprentis, Kritri, Carmin et Rouille, sont très, très contents de ton retour. Et ils t'expliquent avec moult détails comment ils s'y sont pris pour détruire l'anneau. Ils te racontent ça comme s'ils avaient fait un haut fait d'armes, quoi. Oui, mais tu ne te rends pas compte, mais Sajabi était super content du travail qu'on avait fait. Alors, on a dû faire monter la forge à des températures. Oui, bah, écoute, franchement, on n'aurait jamais cru qu'on pouvait y arriver sans toi, mais on l'a quand même fait. On a réussi à me fondre le métal. Et tu vois qu'il... Tu sens qu'il te cache quelque chose. D'accord. Dans le récit. D'accord. Tu devines, évidemment, que c'est le fait que la magie de l'anneau se soit transférée à ta forge pendant quelque temps jusqu'à ce que Sajabi résolve ce problème. Et j'espère que tout a été consigné quelque part. Par écrit. On a dû travailler avec une telle urgence avec Maître Sajabi que non, on n'a pas eu le temps de faire un rapport. Mais si tu veux, on vient de te le faire, quoi. Mais bon, si vraiment. Là, on va avoir du travail ce soir. On a faut reconstituer l'anneau. Vous allez me chercher mes notes qui doivent être dans le tiroir 27B-6. Avec mon dossier anneau elfique, hein, qu'on puisse travailler dessus. Et toi, Carmin, ça serait bien que tu commences à regarder pour tracer les plans là, de l'engrenage d'adamantium pour qu'on puisse gagner du temps, parce que je vais devoir s'occuper de ça aussi. Allez, hop, hop, hop. Ok, bah donc tu les coordonnes et donc ils se mettent au travail et vous recommencez à forger l'anneau. Fondre l'anneau, lui redonner forme, tout ça, ça n'est pas un gros problème. Là où tu commences à sentir un problème, c'est quand tu dois commencer à poinçonner les runes elfiques dans l'anneau. Au moment où tu rassembles tes notes et où tu relis tous ces machins-là, te revient évidemment en mémoire l'avertissement de Doc Alphard de la magie elfique. Mm-mm. Qu'est-ce que tu comptes faire par rapport à ça? Je vais pas le graver, l'anneau. Je vais juste le reconstituer sans les gravures. Oui. Pour faire un anneau de bois acier exactement comme il était. Et de toute façon, puisque il ne faut pas que je le grave. Et en plus, pour moi, il ne faut pas que la forge des. Enfin, que les philosophes aient ce type d'objet-là. Du coup, je vais juste faire l'anneau. Un anneau brut. Ok. Bah écoute, tu fais l'anneau brut et tu as terminé l'anneau, je dirais, un bon sablier d'avance sur l'éclair du soir. Et quand tu te diriges vers la salle commune pour aller le filer à Idril ou à Sajabi, il n'y a plus personne. Il n'y a que Pochet qui est en train de d'éplucher les comptes et de chercher peut-être après de vieilles dettes impayées. Et quand tu lui demandes, enfin voilà. Et quand ils sont partis, ils sont allés promener en ville. Mais aucun sens de responsabilité. Je vais ramener l'anneau à la Guilde des philosophes. J'imagine que si ça se passe mal, ça se passe mal. Du coup, si je reviens pas dans une heure, c'est sans doute que ça s'est mal passé. Bien, maître Otto. Normalement, Carmin est sur
l'engrenage en adamantium. Je pense que les deux, là, Karma et Roussi, se mettent ensemble et qu'ils prennent leur temps et que personne ne vient les embêter. Ils sont capables de le faire tout seuls. Donc, si dans une heure, je ne suis pas rentré, vous leur dites de se mettre au travail, s'il vous plaît. Oui, monsieur Otto. Bien, monsieur Otto. Et par contre, même si je ne reviens pas, que personne touche à mon pâté spécial que j'ai acheté hier, s'il vous plaît. Très bien, maître Gamble Putty. Il y a des chances qu'il soit déjà un peu entamé, ton pâté spécial. Je salue l'effort, Pocher. Je salue l'effort. Et je vais partir en direction de la Guilde des Philosophes. Ok. Eh bien... Tu pars en direction de la Guilde des Philosophes, tu arrives sur place, très peu de temps avant que l'éclair n'illumine de sa clarté verte la ville. Mm-hmm. Tu frappes et tu es accueilli par un serviteur en livrée. C'est pourquoi ? J'ai un collier à remettre à Maître Ishtar, s'il vous plaît. De la part d'un représentant de la Guilde des Arcomanciens. Ah oui, en effet. Il m'a prévenu que vous deviez livrer un anneau. C'est cela ? C'est cela même. Bien, montrez-moi donc. Un serviteur ? Je vous demande de me le montrer, pas de me le donner, mais je ne vais pas vous laisser rentrer si vous ne l'avez pas. Bah, après, vous expliquez. Mon maître porte une grande importance à l'efficacité, et donc je n'oserai pas vous laisser rentrer si vous ne possédez pas le dit anneau. Bien. Voilà, je le montre. Oui, d'accord. Ça vient d'être un matériau bizarre. Il m'avait dit de m'attendre à quelque chose de comme ça. Bien, très voilà. Bien. C'est bien ce qu'il pensait. Un serviteur n'est pas apte à juger de la qualité de mon travail. Tu vois qu'il ne prête aucune attention. Je ronchonne tout le long pendant tout le couloir, je pense. Mais en fait, non, il te fait rentrer là, dans une espèce de petit sas sur lequel il y a trois pauvres tabourets. Et tu commences à patienter. Commences à patienter. À un moment donné, tu vois dehors l'éclat vert qui sonne la fin de la journée. Et en effet, la luminosité maintenant baisse rapidement. Tu te retrouves dans le noir jusqu'à ce qu'un autre serviteur en livrée, lui parfaitement muet, vienne allumer quelques lampes à l'huile qui illuminent le couloir. Tu vois le long couloir petit à petit qui s'allume vers toi au fur et à mesure qu'il allume les lampes, et il termine par ton coin. Ah, je vais pouvoir finir alors, parce que j'étais en train de démonter les tabourets, parce qu'il me semblait qu'ils n'étaient pas tout à fait équilibrés, qu'en intervertissant certains pieds, on pourrait avoir trois tabourets exactement de la même hauteur. Mais j'ai pas pu finir parce que je voyais plus grand-chose. Il te regarde. Et au moment où il repart, tu es certain d'avoir perçu un sourire narquois à la commissure de ses lèvres. Parfait. Toujours est-il que ces tabourets seront parfaits. Ok, tu te passionnes pour les tabourets pendant 20 minutes. Ouais. Tu as le temps de les équilibrer. Et en effet, hop, ils sont parfaitement stables. Tu les as parfaitement remis et toujours personne, quoi. Bon. Je vais aller emprunter le couloir maintenant qu'il est allumé. Du coup, il y a un moment, c'est bon, quoi. J'ai quoi que ça à faire. Moi, j'ai un engrenage à faire. Puis si je ne reviens pas d'ici une heure, ils vont s'inquiéter. Donc, je vais aller dans le couloir en appelant Maître Ishtar. Maître Ishtar. Tu as à peine pénétré dans le couloir qu'une porte s'ouvre et quatre orcari équipés avec des épées longues pour la plupart aussi des massues, enfin des matraques,
une armure en cuir et une livrée, évidemment, à la couleur de la guilde des philosophes, sortent dans le couloir et font « Vous êtes prié d'attendre dans le sas. » Est-ce que c'est ceux que j'ai rencontrés la veille ou rien à voir ? Non, rien à voir. Rien à voir, parfait. Vous pouvez dire à votre maître de se dépêcher parce que moi, là, à un moment, je vais perdre patience. J'ai pas que ça à faire. Notre maître n'est pas encore venu vous chercher. C'est qu'il avait d'autres choses à faire. Bon. J'imagine que je peux pas compter sur un petit peu plus de courtoisie de la part de gens comme vous. Bon, je vais retourner dans le sas. C'est possible que ça les agace, je te l'accorde. Oui. Attends, contexte. Hop, il faut que j'aille retrouver un petit peu le cours d'argot. Voilà. C'était déjà quoi Je suis un 6-6. Oui, oui, tout à fait, mais le terme injurieux pour les 6-6, c'était quoi? C'était comment? Ah, je l'ai plus. Puis là, j'ai pas le temps que je retrouve où est le... Je crois que j'ai refermé le document. Ah voilà, c'est Griffonneur. Voilà. Ouais. Tiens, t'imagines, et donc t'entends les Orcari qui font... Il est encore là pour un bout de temps, le Griffonneur. Du coup... comment ça marche les actions d'héritage? C'est une action d'héritage qui est d'embrouiller les gens avec un langage alambiqué. C'est comme les actions de druide. Il suffit que tu décides de l'activer et elle s'active. Donc normalement au début de partie tu es censé lancer plus sagesse si je ne m'abuse. Oui, c'est ce que tu nous avais annoncé. Ouais. Voilà. Mais tu l'avais fait, toi, la fois dernière, il me semble. J'ai jamais fait de jet de sagesse pour activer les... Eh ben alors, vas-y, fais-le. C'est le moment, c'est l'instant. Check. Tant pis si on est un peu tard dans la partie pour ça, mais... C'est du jet plus 0, ça fait, je crois. 12. Oh, c'est joli. Donc là, si je m'abuse, tu as droit à 3. Et donc, tu les utilises quand tu veux. Eh ben écoute, je vais utiliser mon embrouiller les gens avec un langage alambiqué. Ouais. Pour me lancer dans un discours de griffonneur, tu vois, qui pourrait commencer par une forme d'excuse en disant oh, je suis désolé de vous avoir troublé, mes chers amis, moi, pauvre griffonneur, et puis de tourner ça pour que ça finisse par être une magnifique insulte. Ou je ne sais pas par quel procédé de tournage de langage, bien qu'il n'y ait que moi qui ai parlé, ils aient l'impression qu'ils sont insultés entre eux. Ouf. D'accord. Mais donc, en fait, au fur et à mesure que tu leur bassines les oreilles, il y en a un ou deux qui essayent bien de réagir, et dès qu'il y en a un qui sort un mot, eh bien, tu arrives à retourner la situation à son désavantage, à tel point qu'ils ont... Ils ont l'air tous plus ridicules les uns que les autres. Et à un moment donné, ils commencent à se disputer. Ça commence à gueuler vraiment fort. Et à ce moment-là, le serviteur qui était venu t'ouvrir arrive en courant et il fait « Un petit peu de calme ici !» Tark, Arkay, calmez-vous, retournez dans votre pièce !» Et puis là-dessus, il te voit au milieu du couloir, il fait « Vous êtes encore là, vous ?» C'est-à-dire que j'avais quelque chose à livrer et que je n'ai pas toujours été, j'ai pas été en mesure de le faire, puis là, je m'apprête à rentrer chez moi. Bah, après, je pourrais toujours dire à votre maître par courrier que ses serviteurs n'ont pas fait le travail et qu'à cause d'eux, il n'a pas reçu son... Et tu vois qu'il réfléchit un instant et puis il fait... Bon, très bien, je veux voir s'il peut se libérer. Mais retournez vous asseoir sur un tabouret et ne bougez plus. C'est bien. Il va falloir trouver quelque chose de plus pratique hein, pour allumer ces lampes. J'imagine qu'on pourrait toutes les allumer d'un coup avec un petit peu de bonne volonté. Et puis je retourne dans mon sas. Ok, d'accord. Bon, bah, tu retournes dans ton sas et quelques instants plus tard, arrive un maître
ce n'est pas Maître Ishtar, mais c'est un maître de la guilde. Il en porte la tenue qui est la même que celle de... la même que celle de Maître Ishtar, mais tu vois que ce n'est pas lui. Il arrive vers toi et il te fait... je suis Maître Nabucodon. Vous avez quelque chose pour nous. Maître Ishtar me l'a décrit avec force détail, et donc pouvez-vous me déposer l'objet de la livraison? Ah, bien sûr, tenez. Et tu vois qu'il regarde l'anneau et puis il lève un sourcil. N'était-il pas censé être gravé? Ah, bien sûr, au départ, avant que... Mais ça, je crois que ça a été réglé avec le maître de Maguil. Moi, je ne connais pas tous les détails de l'histoire. En tout cas, on m'a demandé de ramener l'anneau. Voici l'anneau en question, celui qui appartenait à l'épouse de Maître Ishtar. Très bien. Il y a un problème? Non. Parfait. Je crois que s'il y a un problème, c'est juste que j'espère pour vous que cet anneau ne va pas mettre Maître Ishtar dans une colère noire, sinon je ne donne pas cher de votre guilde. Et là-dessus, tu vois qu'il le met dans une poche qui est manifestement cachée dans les grandes manches très amples de sa tunique, et il remonte dans le couloir et il fait « Bonne nuit !» J'espère pour vous que les rues ne seront pas trop sombres. Et bonne nuit à vous. Et on va s'arrêter là. Mm-hmm.